Je ne comprends pas comment un monde qui crée des objets si merveilleux pourrait être si dangereux. Regardez-moi ça. C'est vraiment chouette. On me dit que ma collection est complète. Croyez-vous que je sois la fille qui a vraiment tout? Et quel butin ici englouti? Combien de merveilles ma caverne cache ainsi? Vous pourriez dire de cette fille, oui, qu'elle a vraiment tout. J'ai des bidules et des tas de machins. J'ai des trucs et des floups-floups comme ça. On cherche des cambabouis? En voilà 20. Mais je m'en fiche. À quoi bon? J'en veux plus. Je veux être là-haut avec tout le monde. Je veux les voir, je veux les voir danser, valsant à deux sur l'heure. Comment dites-vous? Oh, pieds. Avec des nageoires, on ne va nulle part. Des jambes, il faudrait pour sauter, danser et marcher le long des... Comment dites-vous? Rue. Une course par-ci, une course par-là. Sous le soleil, on se reposerait, libre comme l'air, là sur ces terres, parmi ces gens. Qu'est-ce que je donnerais pour me libérer de cette vie dans l'eau? Qu'est-ce que je donnerais pour une journée sur le sable chaud? J'en suis certaine, et leurs filles peuvent rêver sans frayeur. Toutes ces jeunes femmes, heureuses et fières, les pieds sur terre. Je veux tout connaître, comprendre et savoir, poser mes questions, apprendre mes leçons. Que dire du feu et pourquoi il, dites-moi le mot, brûle. À quand ce jour où je pourrais découvrir ces rives enchantées? Libre comme l'air, la suite.